Ouais, c'est pas con quand même. Grave. Yo tout le monde, c'est Rodolphe Scooter Whip. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du manual. Voilà. Ce qui suit le wheeling, c'est le manual. Donc on va le voir aujourd'hui. La première étape, c'est quoi un manual? Donc en gros, un manual, bah c'est ça. Donc, comment on fait un manual? En gros, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'un manual, il faut juste se pencher vers l'arrière. Et qui vont juste se pencher vers l'arrière et ça va lever tout seul. Alors non, je suis pas d'accord. Parce que si vous faites ça... Parce qu'en fait, la technique, c'est pas d'avoir une trajectoire où votre corps, vous allez être en l'air tout d'abord, où votre corps va faire ça. Votre corps, il va pas faire ça. Votre corps, il doit faire ça, puis ça. Il doit d'abord se baisser et ensuite tirer en arrière. Ça donne ça. Tenir un manual, si vous partez à droite, si vous partez un peu à gauche, ce qu'il va falloir faire, c'est si vous partez à droite par exemple, sortir le genou gauche pour rééquilibrer le tout. Et si vous partez à gauche, forcément, sortir le genou droit. Donc ça, c'est les bases, voilà. Et donc pour tenir le manual, vous avez besoin du frein. Important, ne jamais faire un manual sans frein. Parce que j'en ai déjà fait les frais et ça fait assez mal en fait. Donc pour le manual, toujours avoir le doigt bien sur le frein et normalement tout se passera bien. Donc j'espère que ce tuto manual vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à le faire. Lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu forcément. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.